La réplique d'une page en HTML à l'aide d'une simple capture d'écran, coder un site à l'aide d'un schéma ou alors créer son propre jeu vidéo totalement jouable, j'ai testé Claude Sonnet 3.5. Et j'ai été bluffé. Si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, c'est sûr, tu as déjà entendu parler de Claude. Créé par Anthropic et d'anciens employés d'OpenAI, Claude a réussi à s'imposer comme un concurrent sérieux à ChatGPT et Google Gemini, notamment grâce à leur dernier modèle qui dépasse leurs concurrents dans presque tous les domaines. Du moins, ça, c'est ce que Anthropic affiche sur leur site. Encore faut-il y croire. Du coup, dans cette vidéo, on va challenger Claude sur plusieurs tâches. Et on comparera avec ChatGPT sur les mêmes tâches. L'occasion aussi d'explorer des cas d'utilisation incroyables qui seront très utiles pour ton business. Et crois-moi, pendant ce test, j'ai eu de sacrées surprises. C'est parti. Ton compte sur Claude, il te suffira de te rendre sur cloud.ai pour créer ton compte à l'aide d'une adresse email ou d'un compte Google et il faudra également associer un numéro de téléphone à ton compte. Bonne nouvelle, Claude est maintenant disponible en France et donc pas besoin de VPN pour l'utiliser. L'interface de Claude est très simple et très bien faite. Tu auras donc ta fenêtre de prompt avec également une option pour envoyer des fichiers ou prendre directement une photo à l'aide de ta webcam. Et à gauche, tu vas avoir le menu avec les historiques de conversation dans tes paramètres en cliquant sur ton adresse mail, il y aura également une option pour choisir l'apparence en mode clair ou sombre. Et je te recommande d'activer dans feature preview l'option artifact. C'est une option qui va permettre d'afficher une fenêtre d'aperçu, notamment si tu souhaites créer du code avec Claude et voir directement à quoi peut ressembler ce code. Tu verras, on en fera une démonstration plus tard dans ce tuto. Petite pause pour te dire qu'entre le moment où j'ai commencé mes tests et je les ai finis, Apparemment, cette option Artifact est intégrée par défaut dans Claude, donc a priori tu n'auras plus besoin d'activer cette option via les paramètres puisqu'elle sera activée par défaut. Il y a aussi l'option LaTeX Rendering pour afficher certains résultats sous forme d'équations mathématiques, une option qui nous intéresse moins et donc que je ne vais pas activer pour ce test. Donc dans cette vidéo, on va tester la version gratuite de Claude, actuellement Claude Sonnet 3.5. On notera que cette version gratuite de Claude est pour l'instant limitée en termes d'utilisation. Quotidienne, une limite un peu contraignante qui fait que cette vidéo est enregistrée sur plusieurs jours. La limite peut varier selon le trafic sur Claude, entre 7 et 10 promptes toutes les 5-7 heures, c'est ce que j'ai constaté pendant mon test. À l'avenir et selon le développement de Claude, il se peut que cette version gratuite soit moins limitée, à l'instar de ce que propose aujourd'hui ChatGPT en version gratuite. En parlant de ChatGPT, pendant ce test, on va comparer les résultats de Claude avec la version gratuite de ChatGPT, hormis quelques exceptions pour certains tests, je mentionnerai bien sûr les modèles que j'utilise si je suis amené à changer de modèle pendant mes tests. Au programme, il y aura donc un test de créativité, un test de logique et de raisonnement, un test sur les capacités d'analyse et les capacités multimodales, un test de création graphique et un test pour le code. Et en conclusion, je te donnerai mon avis sur Claude et ses performances par rapport à ce que ChatGPT peut proposer. N'hésite pas à te référer à la timeline de la vidéo si une partie du test t'intéresse plus qu'une autre. Et on est donc parti pour notre premier test. Pour ce premier test de créativité, on va lui proposer le prompt suivant. Propose-moi un script pour l'intro de ma vidéo YouTube avec également des indications pour mon montage. La vidéo va parler de l'intelligence artificielle conversationnelle Claude Sonnet 3.5. Je vais y présenter ses fonctionnalités, plusieurs cas d'utilisation et faire une comparaison avec ChatGPT. Donc en gros, je lui demande une intro pour la vidéo que je suis en train de faire. Et je vais rajouter, je veux que l'intro ne soit pas trop longue, je veux que tu tutoies le viewer, que ce soit dynamique et que la de la vidéo soit assez forte pour pousser le viewer à vouloir continuer la vidéo au-delà de l'introduction. C'est un prompt assez complet, on va voir ce que ça donne. Sur l'interface de Claude, on nous propose donc la réponse à mon prompt à droite de l'écran. Avec le script de l'intro, comme on le voit, on a les dialogues, on a les indications pour le montage. Le script est plutôt sympa et les indications de montage sont assez cool. Par exemple, là je vois afficher une icône de ring de box pour représenter la confrontation avec ChatGPT. Il y a également des indications pour le montage, avec la suggestion de transition rapide et dynamique entre chaque plan, les effets sonores, l'intégration d'animation simple. Donc un résultat vraiment satisfaisant. Et ce qui est sympa, c'est que à gauche de l'écran, il a développé mon compte en reprenant les idées clés de celui-ci, et en me faisant un peu le résumé des tâches qu'il a accomplies à travers sa réponse. Donc une accroche forte, un tutoiement, un script avec trois parties principales de la vidéo donnant au spectateur une raison de continuer à regarder, et la durée totale courte qu'il a fait entre 20 et 25 secondes donc le rendu est plutôt sympa si je teste maintenant sur chat gpt donc là au niveau de la présentation de la réponse c'est tout de suite en dessous de mon prompt là aussi il a différencié le narrateur et les indications pour le montage et avec le même prompt et eh ben j'avoue que le résultat de claude me satisfait plus que celui de chat gpt j'ai l'impression que claude m'a donné plus d'indications sur le montage et quand je lis ce que ChatGPT m'a proposé, par exemple la dernière phrase, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo pour ne rien manquer des dernières nouveautés en intelligence artificielle, ça, je trouve ça un peu pompeux par rapport à Claude qui a bien compris que je voulais que l'introduction soit dynamique et qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Et lui, il finit son intro, alors prêt à découvrir l'IA qui pourra révolutionner ton quotidien. C'est parti. Ça, typiquement, pour un créateur, je trouve que ça apporte plus de choses à une vidéo que le "abonne-toi et like la vidéo" qui est un peu trop classique et même un peu démodé. Pour les indications de montage ça se ressemble un petit peu chat gpt m'évoque euh, la possible présence de capture d'écran et b-rolls et ça c'est vrai que clone ne me l'avait pas suggéré bon par contre le, le conseil sur clôture l'intro avec une animation stylée de ton logo de ta chaîne youtube et le titre de la vidéo pour appeler aux viewers de s'abonner et de continuer à regarder là encore sur cette version de chat gpt c'est des conseils très bateaux qui font penser à des conseils pour le youtube des années 2010 donc pour un scénario youtube pour un créateur et eh bien je suis beaucoup plus séduit parce que Claude m'a proposé par rapport à ce qu'a proposé ChatGPT. Je vais continuer ce test de créativité sur Claude en lui demandant un titre pour ma vidéo, donc avec le prompt Peux-tu me proposer plusieurs titres pour cette vidéo Toujours dans l'idée que le titre soit un maximum attractif pour donner envie de cliquer sur la vidéo sans pour autant induire le viewer en erreur. Sur Claude, j'aime vraiment cette présentation où il propose d'un côté donc, la réponse au prompt directement et du côté gauche une petite explication de son fonctionnement, comment il a élaboré sa réponse en donnant aussi quelques conseils qui pourraient m'aider par exemple à améliorer ce prompt. Au niveau des titres, c'est assez créatif. Le numéro 2, c'est par exemple un titre très actuel. Par par rapport à ce qui se fait sur YouTube en ce moment, j'ai testé le rival de ChatGPT pendant 24 heures. Voici ce qui s'est passé. J'aime bien aussi le pourquoi tout le monde parle de Claude 3.5, l'IA qui défie les géants. Assez sympa. On va utiliser le même prompt sur ChatGPT. Niveau titre, c'est pas trop mal, mais je marque quand même un manque d'originalité par rapport à ce que Claude m'a proposé. Ici, on aura des titres un peu plus classiques. Si j'en prends quelques-uns au hasard, pourquoi Claude Sonnet 3.5 et l'IA dont tout le monde parle. Bon, par contre, dans la liste, il y a des titres un peu plus faible, si je devais choisir un des titres dans les deux listes combinées, je pense que j'opterais pour un des titres proposés par Claude. Pour le troisième test de créativité, je vais me rendre sur une de nos vidéos YouTube et je vais récupérer la transcription de celle-ci. Je vais me rendre sur Claude et je vais lui demander, à partir de la transcription suivante, peux-tu me créer un article de blog Peux-tu s'il te plaît faire apparaître les différents niveaux de titres H1, H2, H3 C'est parti donc, Claude me propose l'article à droite et commente la façon dont il a travaillé à gauche. Cette fonctionnalité, moi qui ai l'habitude d'utiliser ChatGPT, j'y étais pas habitué et je trouve que ça apporte un vrai plus en termes de création, en termes de réflexion et ça facilite aussi le dialogue. Et vraiment très séduit par cette fonctionnalité. Le résultat, lui, est plutôt bon. Un bon H1, une introduction, des parties qui font sens et qui suivent bien la structure de la vidéo, qui abordent tous les points. Surtout, la vidéo a été comprise par l'IA. Je vais tester maintenant sur ChatGPT avec le même prompt. Au niveau de la vitesse d'exécution, les deux IA se valent. Après avoir lu l'article proposé par ChatGPT, là aussi, le résultat est plutôt bon. Si j'avais quelque chose de plus synthétique sur Claude, avec par exemple des puces et des listes, là, avec cette version de ChatGPT, j'ai plus des blocs et ça manque peut-être un peu de structure. Et typiquement, ce que Claude m'a proposé en version gratuite sur la version 3.5, avec cette structure aérée et bien organisée avec des listes, c'est quelque chose en fait que j'aurais eu sur ChatGPT 4. D'ailleurs là, je viens de faire un test avec la version payante de ChatGPT et je vois qu'il m'a proposé un article plus proche de ce que Claude m'a fait avec une organisation avec des listes et des puces qui rendent la lecture plus simple. Donc voilà. Sinon, au niveau de la qualité de l'article même, les deux IA se valent à un peu près. Elle résume bien la vidéo, j'ai trouvé euh, dans l'ensemble. Mais petit avantage à Claude qui m'a fait quelque chose d'un peu plus synthétique et dans l'idée où je voudrais vraiment Vraiment publier l'article sur un blog et pourquoi pas l'enrichir manuellement avant de le publier je pense que je préférerais utiliser la version que claude m'a proposé qui est mieux structurée donc plus facile à lire et donc plus facile également à enrichir donc une bonne surprise sur ce test de créativité après le souci et là je viens de le découvrir sur la version gratuite de Claude, je suis très limité et là par exemple, après quelques échanges, je le vois qu'il me reste que 3 messages disponibles jusqu'à 9h et que si je souhaitais utiliser plus longtemps Claude, il faudrait donc que je souscrive à un abonnement pro, alors que sur ChatGPT en gratuit, je n'ai pas de limite d'utilisation. Et toujours en ce qui concerne la créativité, il y a un Gros point fort du côté de ChatGPT, c'est la possibilité de créer des designs à l'aide de Dali. Par exemple, là, je peux lui demander peux-tu me créer une miniature YouTube pour ma vidéo Donc là, par exemple, il m'a fait une proposition d'image pour ma miniature, mais malheureusement, je suis très vite limité sur cette option-là. Là, là j'ai pu faire une demande en version gratuite, donc ça ne va pas trop me permettre de travailler le design que je veux et avoir plusieurs propositions. Et si je voudrais le faire en version illimitée, il faudrait que je bascule sur un abonnement ChatGPT. Et sur Claude, tout simplement, si je lui demande. De me créer la miniature de cette vidéo. Il va être impossible de créer des designs sur Claude. Malgré tout, il m'a proposé une idée de miniature à faire moi-même avec des consignes. Si jamais je souhaite travailler sur un autre outil, ça peut être aussi un bon moyen d'avoir des idées pour créer sa miniature. Pour la suite de ce test, on va tester la logique et les capacités des deux intelligences artificielles avec des problèmes difficiles de mathématiques, et notamment un problème qu'on a déjà utilisé pour plusieurs tests sur la chaîne L'anniversaire de Cheryl. Donc on va commencer avec un test sur Claude. La réponse de Claude, c'est le 19 mai, et malheureusement, il s'est trompé, car la bonne réponse pour l'anniversaire de Cheryl, c'est le 16 juillet. Malgré tout, Claude a essayé de nous présenter une solution par étape en détaillant donc les étapes de sa réflexion. On va tester maintenant sur ChatGPT. Là aussi ChatGPT fonctionne par étape dans sa réflexion et là pour le coup, bravo à ChatGPT qui a résolu le problème et qui a trouvé la bonne réponse. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas longtemps, on avait fait le même test avec le même problème avec ChatGPT et Gemini. Et là aussi, ChatGPT avait eu la bonne réponse et Google Gemini s'était trompé. Donc ChatGPT semble quand même un peu meilleur pour ce qui concerne les problèmes difficiles. Et par contre, après ce test de mathématiques, je me trouve limité avec Claude que je ne peux pas réutiliser avant 9h du soir, alors qu'il est 17h actuellement au moment où j'enregistre la vidéo. On notera ici que sur ChatGPT, j'ai atteint aussi ma limite pour l'utilisation gratuite du modèle. 4O, je peux en revanche continuer à utiliser ChatGPT, mais là ça sera sur le modèle 3.5, donc un modèle un petit peu inférieur. Donc on va faire une pause et on se retrouve un peu plus tard pour continuer le test sur ces deux modèles. De retour sur Claude, on va tester cette fois-ci les options multimodales et la capacité à Claude à traiter des images. Je commence avec une des illusions d'optique les plus célèbres, le canard lapin, et on va lui demander tout simplement qu'est-ce que tu vois sur cette image. Bon, il ne tombe pas dans le piège et il a bien reconnu l'illusion et me donne même des détails sur l'origine de cette illusion. Test brillamment réussi. Sur ChatGPT, j'ai dû basculer sur la version payante de ChatGPT, car malheureusement, sur la version gratuite, j'avais déjà atteint le quota pour utiliser les fonctionnalités multimodales gratuitement, notamment après avoir utilisé Dali dans le test précédent. Si sur Cloud il y a une limite sur le nombre de prompts sur la version gratuite, sur ChatGPT, l'accès au modèle 3.5 est gratuit, mais les accès aux modèles supérieurs comme GPT 4 et 4o sont très limités. Et vu que l'utilisation des fonctionnalités en multimodal n'est disponible, que sur les modèles 4 et 4o quand j'ai atteint mon quota sur ces modèles et eh bien je ne peux plus utiliser ces fonctionnalités en version gratuite du coup là je teste sur chatgpt 4o pas de souci non plus pour identifier l'illusion et reconnaître le canard et le lapin on va continuer avec un test un peu plus compliqué le jeu des 7 différences et on va demander à claude de trouver les différences entre deux images c'est donc les deux images qu'on peut voir à l'écran. Et malheureusement sur ce coup, si on compare les réponses de Claude à la solution, eh ben c'est vraiment pas fou. En gros Claude a réussi à reconnaître une seule différence: la première, le Z inversé au-dessus du lapin. Pour le reste, il a inventé. Si je prends l'exemple du numéro 3, il y a une tasse sur l'étagère sur une image et pas sur l'autre. Bon là on est totalement dans une hallucination. Donc 1 sur 7 seulement, pas franchement une réussite. Même test sur ChatGPT, mais attention, on est sur la version payante ChatGPT 4O. Et pour le coup, ChatGPT s'en sort très bien avec 5 bonnes réponses sur 7. Il fait aussi des erreurs et invente un changement d'état et de position sur le fruit et sur les pantoufles. Mais il trouve quand même 5 bonnes différences. Donc plus de performance pour ChatGPT 4O. A voir si la version pro de Claude, Claude 3 Opus, s'en sortirait mieux. Mais sur la version Claude Sonnet, c'est vraiment pas brillant. Pour la partie analyse, j'ai voulu commencer mes tests avec l'analyse d'un document PDF. Malheureusement, sur la version gratuite de Claude, c'est quasi impossible. J'ai essayé de réduire la taille du PDF un minimum, j'ai essayé avec un PDF de seulement 3 pages, et l'IA m'indiquait que je dépassais la limite de mots pouvant être analysés. En version pro, Claude pourrait apparemment traiter plus de 200 000 tokens, donc l'équivalent d'environ 500 pages de texte. Par contre, je ne trouve pas d'indication claire sur le nombre de tokens max en version gratuite, mais là en tout cas, au moment où j'essayais d'analyser un PDF de 3 pages, c'était impossible. Du côté de ChatGPT, pas de soucis, même en version gratuite, je peux demander à l'IA de m'analyser un PDF, même si je peux être limité après plusieurs demandes. Pour continuer dans ces tests d'analyse, on va maintenant demander à Claude de nous commenter un graphique. C'est un graphique qui représente le nombre de naissances en France lors de ces dernières années. Les commentaires de Claude sont plutôt bons et reprennent bien les chiffres du graphique, avec même de petites interprétations comme l'arrivée du Covid en France qui aurait pu impacter le nombre des naissances pendant cette période. C'est pareil du côté de ChatGPT, là aussi l'analyse est plutôt bonne et nous propose la même interprétation concernant l'arrivée du Covid, donc match nul sur ce test. Plus difficile, on va demander à Claude de nous proposer un graphique en fonction d'un tableau de données. Alors, petite déception, Claude n'accepte pas encore les fichiers Excel, contrairement à ChatGPT. On va quand même lui demander de travailler sur un tableau, et pour ça, on va utiliser une capture d'écran du tableau en question. Donc, c'est un tableau qui représente la répartition de la population française en 2024 selon la tranche d'âge. Claude lance automatiquement la fonctionnalité artefact et me propose donc une réponse en code qui va être lue et interprétée, et le résultat est vraiment pas mal. Ce qui est cool, c'est que je peux lui demander de retravailler sur cette base pour modifier selon mes envies. Par exemple, là, je vais lui demander de me présenter les résultats, mais à l'aide de Camembert, et voilà, il y arrive sans problème. On notera, si je le souhaite, je peux récupérer le code à tout moment pour l'utiliser. Ailleurs. Et on va demander maintenant la même chose à ChatGPT. Pour sa première tentative, il m'a présenté des courbes. Bon, c'est un peu moins lisible que ce que Claude m'avait proposé. Et là, pour les camemberts, c'est encore moins lisible, même si son approche est intéressante, notamment avec la présentation de la répartition pour les hommes, pour les femmes et pour l'ensemble. Alors que Claude, lui, avait choisi une répartition pour l'ensemble et une répartition entre hommes et femmes, ChatGPT a donc fait peut-être plus preuve de précision dans la présentation de ses résultats, mais au niveau lecture et esthétique, c'est beaucoup plus agréable avec Claude. Je vais maintenant les challenger sur la création d'un mind map. On va demander à Claude de nous créer un mind map sur la thématique création de chaîne YouTube. Or les résultats proposés sont un peu fouillis, mais chose intéressante, si je lui demande une organisation horizontale, là Claude me propose quelque chose de plus lisible. Et pareil si je demande en vertical. En revanche du côté de ChatGPT, si je lui demande la même chose, le premier résultat est très illisible et j'ai beau lui avoir demandé une organisation verticale ou horizontale, il n'y arrive pas. On notera cependant si jamais je souhaite obtenir des résultats précis pour ces tâches spécifiques, il vaut mieux que je sollicite directement un GPT, exemple ici avec le GPT Mindmap Master et là pour le coup j'obtiens des résultats beaucoup plus clairs et mieux organisés dès le premier prompt. Pour cette dernière partie du test, on va s'attaquer au code. On a déjà vu qu'avec la fonctionnalité Artifact, on avait une présentation en temps réel de ce que pouvait donner un code élaboré par Claude. Et justement, pour un premier test, on va lui demander de nous coder un petit jeu. Donc je lui ai demandé, code-moi un jeu qui affiche un minuteur de 30 secondes. Le minuteur se lance au moment où on appuie sur le bouton Démarrer. Et il y a un autre bouton Stop pour arrêter le minuteur. Le but du jeu est de s'approcher au minimum de zéro, sachant... Que le score du joueur qui a atteint 0 est de 1000 points, le score maximal. Pour chaque seconde où le joueur est au-dessus de 0, il perd 10 points. Pour chaque seconde où il est en dessous de 0, il perd 20 points. Et 10 secondes avant la fin du chronomètre, le compteur devient invisible et ne s'affichera que lorsque le joueur cliquera sur le bouton stop. Un prompt assez complet, même s'il n'y a aucune indication technique. Et là, c'est incroyable, niveau résultat, j'ai mon jeu qui s'affiche et qui fonctionne parfaitement. Je demandais à Claude de le compléter en ajoutant un tableau des scores et un bouton pour recommencer. Et là, encore une fois, parfait, ça fonctionne nickel. Sur ChatGPT, je vais lui demander la même chose. Alors, je ne peux pas tester le code directement sur ChatGPT, mais je peux utiliser un site qui va m'aider à faire mes tests: repl.it.com. Donc, sur repl.it.com, je crée un nouveau Ripple. Je choisis le langage indiqué par ChatGPT pour ce code. Là, c'est du Python. Et une fois copié-collé, je clique sur Run et on va voir le résultat. Bon, alors là, c'est pas parfait. Si la plupart des éléments que j'ai demandé s'affichent, le compteur, lui, ne se déroule pas trop correctement. A noter, j'ai ensuite essayé le même prompt mais avec la version payante de ChatGPT. J'ai testé de nouveau le code sur Ripple et là, pas de souci, le résultat était très bon et fonctionnel. Pour continuer sur le test code, j'ai demandé à Claude de me reproduire la capture d'écran d'une page web en HTML. J'ai pris la capture d'écran de la page de capture mail du Labo des réseaux et le résultat de duplication par Claude est vraiment très bon. J'ai fait le même test avec ChatGPT et encore une fois, j'ai utilisé Replit pour tester le code HTML et là aussi, le résultat est bon et pas de souci d'affichage. Pour le dernier test, j'ai demandé à l'IA de me coder un site à partir d'un schéma dessiné à la main. Là encore, pas de souci de compréhension pour Claude qui a bien compris les trois pages que je lui ai demandé. Et du côté de ChatGPT, c'est bon aussi. Là encore, j'ai utilisé Replit pour tester le code et il a bien compris ce que je lui avais demandé avec ce schéma. Le gros avantage vraiment. Claude, c'est la présence de ce double écran qui va permettre de tester facilement ce qu'on lui a demandé, notamment quand on travaille sur des projets avec du code. Et d'ailleurs, dans la vidéo de présentation de cette fonctionnalité Artifact, on voit un utilisateur qui arrive à coder un mini-jeu en utilisant ce double écran. Et du coup, pour conclure mon test, j'ai essayé à mon tour de mon côté de coder un mini-jeu très rapidement. J'ai tout simplement demandé à Claude de me faire une réplique simple et jouable de Space Invader. Et nickel, je peux jouer à mon jeu directement. Depuis Claude. Bon, là c'est une demande simple. Je pense qu'on pourrait facilement complexifier et travailler sur des mini-jeux ou des projets plus poussés, mais peut-être pas sur la version gratuite de Claude car elle est trop limitée. Pour des projets plus ambitieux et un maximum de confort dans le travail, il vaudrait mieux passer sur la version pro avec. Claude Opus. Avant ces tests, je ne connaissais pas bien Claude et ses capacités, et force est de constater qu'il s'agit d'un concurrent plus que sérieux à Google Gemini ou ChatGPT. Déjà au niveau des capacités de rédaction, même en version gratuite, j'ai trouvé Claude bien supérieur à ce que pouvait proposer ChatGPT. Niveau présentation, la présence du double écran apporte un véritable plus, on l'a vu notamment pendant la partie code du test. Quel plaisir en effet de pouvoir tester directement les résultats de son code depuis l'interface. De Claude. Mais pour les fonctionnalités d'analyse et de lecture, Claude a été un petit peu plus décevant. On peut aussi regretter pour l'instant son accès limité en version gratuite. De même, pas d'outils de génération de design comparé à Dali avec ChatGPT, sans parler de l'arrivée prochaine de Sora. Enfin, un gros désavantage de Claude comparé à ChatGPT, celui-ci n'a pas la possibilité d'accéder à Internet. Du côté de ChatGPT, les modèles 4 et 4O sont capables d'accéder à Internet. En plus, OpenAI ne devrait pas tarder à déployer son propre moteur de recherche avec GPT Search. Concernant les GPTs, pour son équivalent, Claude vient de déployer la fonctionnalité Project. Par contre, ceux-ci ne sont accessibles que dans la version payante. A voir maintenant comment Claude va évoluer. Si ces modèles semblent actuellement avoir pris la première place comparée à ses concurrents, dans le monde de l'IA, c'est souvent un classement qui change après chaque mise à jour de modèle. On notera que Claude est également disponible en API, une solution intéressante si tu souhaites intégrer l'IA dans ton produit ou dans ton SAS. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à tester Claude de ton côté, et s'il y a t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à notre newsletter, le lien est en description et en commentaire épinglé. C'était Boris, merci et à bientôt sur le labo des réseaux.